Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage des énergies de ce mardi 24 août. Voilà, donc j'espère que vous allez tous très bien. Merci de votre fidélité et nous allons pouvoir démarrer ce nouveau tirage. Voilà, allez, un petit message, des messages de ton âme, voir un petit peu l'énergie d'aujourd'hui. Voilà. Peut-être besoin de transmuter quelque chose. Voilà, on a besoin peut-être actuellement de transformer chaque chose pour percevoir aussi, parce que vous percevez positivement, mais une situation, et mais surtout de transmuter votre peur un petit moment de courage quotidien. Voilà, c'est vraiment ce petit courage, transmuter vraiment votre peur un petit moment de courage pour pouvoir parvenir à cette transformation. En tout cas, on voit que vous êtes en train de percevoir positivement une nouvelle situation, une situation en tout cas. Voilà. Et on vous demande bien sûr d'avoir du courage et puis de mettre un petit peu vos peurs et vos appréhensions de côté. Allez, moi je vais reprendre un petit message. Voir un peu l'énergie avec le sixième sens, voir un peu les petits messages pour aujourd'hui. Alors, on a peut-être besoin de changement ici. Vous voyez, il y a peut-être une situation. Le changement, on va. Alors, on peut être. On voit qu'on est en train de voir positivement dans une autre situation. Ça vous annonce du changement. Peut-être ce changement nécessaire pour justement réussir. Hein. On voit qu'il y a eu des mensonges. On a peut-être eu de la trahison. On a été. Alors peut-être que aussi on s'est voilé la face. Donc ça peut nous parler de cela aussi. Bon, il y a eu un moment donné où il a fallu peut-être revoir certaines situations. Ça nous parle aussi avec ce message de mensonge, que certains ont aussi vécu des choses de trahison, peut-être l'illusion mentale aussi. Et peut-être que vous avez été trahi aussi par une personne de votre entourage. On voit qu'il y a des personnes autour de vous qui ont peut-être qui ont manqué de sincérité aussi. Et que vous avez dû vous méfier et vous avez pris bien sûr vos distances. Hein, voilà. Peut-être des personnes qu'ils ont calculé et agi par intérêt. Et peut-être que c'est sentimentalement, peut-être que l'amour n'est plus partagé. Les sentiments ne sont pas partagés ou ne sont plus partagés. Et dans le domaine professionnel, on verra qu'il y a eu peut-être le matériel, des défis, peut-être des détournements de fonds ou des choses comme ça en tout cas, ou peut-être seulement qu'on vous a volé peut-être dans votre milieu professionnel tout simplement. Peut-être que vous n'avez pas eu l'argent parce que vous avez peut-être fait des heures, ou on voit qu'il y a eu quelque chose, quelqu'un qui a comme fermé boutique, qui est passé en redressement judiciaire ou quelque chose comme ça. On voit qu'on vous a manipulé ou vous a peut-être dupé. En tout cas, ça nous parle professionnellement de matériel, de défis, hein, peut-être de détournement de fonds ou de vol. On vous aurait pas réglé tout ce qu'on avait à vous régler. En tout cas, ici, on va plutôt chercher une situation positive. Hein. Donc, ça vous annonce quand même un changement avec une belle réussite. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'on s'éloigne de ces difficultés ici. On va vraiment aller sur quelque chose de tout nouveau. Ce changement vous annonce une belle transformation, du renouveau, en tout cas une nouvelle aventure hein, sur votre chemin de vie, que ce soit aussi sentimental ou professionnel ou bien sûr relié à des projets. Aujourd'hui, on voit on a d'autres projets hein, pour vous. Hein. Enfin, vous avez d'autres projets pour vous. Parce que c'est pas moi qui fais vos projets. Je me suis mal exprimée. Allez, on va aller voir aujourd'hui avec mettre quelques petits messages avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Allez, petit message, Mademoiselle Lenormand. Allez. Allez, on voit qu'on va un changement d'environnement, un changement de milieu. Alors peut-être qu'aussi on a fait du tri dans sa famille ou dans ses amis, puisque ça nous parle quand même de changement dans une situation. Alors ça nous parle ici de milieu social, ça peut un cercle d'amis, ça peut nous parler qu'on a fait un petit peu de ménage dans sa vie. Ce jardin nous indique aussi qu'il y a peut-être présage de moments heureux. En tout cas, on voit qu'on va peut-être aussi changer, peut-être se rapprocher, laisser un peu tomber les gens hein, autour de vous qui ne vous correspondent
plus, qu'ils ont été manipulateurs, on voit qu'on a peut-être fait du tri dans son cercle d'amis. Hein. Et puis voilà, on va plutôt aujourd'hui faire vers un changement, un tout nouveau changement. Et puis on va peut-être avec peut-être de rencontres de nouvelles personnes. Alors ça peut être aussi le présage aussi de nouvelles personnes ou de nouvelles clientèles dans son milieu professionnel. Donc il y a peut-être un changement d'environnement, peut-être un changement dans votre domaine professionnel qui vont bien sûr changer le cours des choses puisque va vous faire rencontrer d'autres personnes. En tout cas, on vous parle qu'il y a eu de la manipulation, un vice, peut-être, je vous dis, de la fraude hein, au niveau du travail, parce que ça nous parle quand même de travail, cette carte de renard, hein, et on voit qu'il y a un changement justement dans ce domaine qui vous ramène bien sûr une réussite. Alors, on va remettre un petit message. Voilà, il y a une personne, vous voyez, il y a une fin, c'est un deuil, c'est un cercueil. On voit qu'on met une fin, on met une fin à une situation compliquée. Alors moi, je pense que c'est votre environnement hein, qui n'a pas du tout été. Hein, la fraude, la manipulation vous a peut-être volé, peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça, c'est vous qui verrez. Aujourd'hui, il y a un changement dans son cercle milieu social, un nouveau travail peut-être. En tout cas, on vous parle de réussite ici et que du coup, on a mis un terme, on a mis, c'est la fin, c'est ce que c'est la fin, c'est un changement en tout cas, une transformation bien sûr, et puis la fin d'une situation difficile. Hein. On voit qu'il y a la fin d'une situation par rapport et du renouveau dans votre milieu professionnel. Moi, ça parle de professionnel. Hein. Donc on voit une situation quand même qui se rééquilibre. Hein. Alors peut-être aussi par rapport à ce. Moi, je vois quand même de l'argent qui vous est dû et qui n'a pas été réglé. Alors peut-être que certains, on voit que il y a peut-être certains, on va avoir affaire à la justice par rapport à bah, réclamer simplement ce qui est votre dû. Hein. Donc peut-être certains vont avoir affaire avec cette justice qui va légaliser un petit peu si on vous donne de l'argent. En tout cas, on remet de l'ordre dans sa vie hein, professionnelle, peut-être voilà, un procès, un tribunal. Mais en tout cas, on voit que c'est une situation qui va s'arranger, puisque on voit que cette balance vous ramène aussi, elle nous ramène à l'équilibre. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, il y a la fin d'un passé aussi par rapport à son travail. Hein. Je pense que voilà, on a passé à autre chose ici. Alors, on a passé par autre chose ici. Après, je suis obligée de vous le dire parce que je le vois. Alors, c'est la fin d'un passé. Vous voyez, ce vieillard aussi qui s'avance vers quelque chose de nouveau. Hein. Ça vous lisse le passé. C'est une personne. Alors, pourrait être question aussi. De problèmes aussi, vous voyez, par rapport à une fin de vie d'une personne âgée, donc ça peut être votre grand-père, ça peut être votre papa, on peut être aussi, on pourrait être aussi avoir dans votre entourage, bien sûr, un deuil d'une personne âgée, hein, voilà. Pour d'autres, on verra qu'il est question de rééquilibrage, la fin d'un passé avec des épreuves difficiles dans son milieu professionnel. Donc cette carte de deuil ben, vous annonce plutôt un changement positif, hein, bien sûr, puisqu'on fait le deuil de ce passé et on va vraiment vers une nouvelle situation du renouveau professionnel. Vous voyez, vraiment un changement et du renouveau professionnel dans votre vie. Alors, moi, ça parle de profession. Allez. Allez, on va remettre quelques petits messages. Bon, il y a eu un endroit vraiment où vraiment c'était négatif. Vous voyez, votre milieu social au niveau de votre travail, ça vous annonce des situations, des gens, mais des situations qui ont été difficiles puisque cette carte annonce du négatif. C'est vraiment un environnement négatif. Un environnement dans votre vie, dans vos cercles d'amis, mais aussi dans votre vie sociale. Il y a eu des énergies négatives, des pensées négatives. Voilà, une personne en tout cas, peut-être qui était négative, mais moi ça me parle plutôt d'environnement dans le domaine, bien sûr, professionnel. Allez, on va mettre un petit message ici.
Donc, on a mis fin à une situation, donc on a bien décidé, on a ce choix, hein, cette décision bah, qu'il a fallu prendre. Ici, ça peut nous parler, bien sûr, cette fin de vie d'une personne âgée, c'est quelqu'un qui était très proche de vous, ça peut être un ami aussi. Pour d'autres, on verra qu'il y a eu quand même de la négativité auprès d'une personne qui a été jaloux ou envieux dans votre cercle professionnel. Alors, vous voyez, on a mis, il y a cette fin, hein, ce changement qui va de nouveau être positif parce qu'il a fallu trancher dans une décision, il a fallu prendre, vous voyez, c'est ce chemin, c'est toujours des décisions par rapport à un choix. Et je pense que on a pris cette dé bonne décision, cette décision qui que vous avez pris, hein, qui va vous amener sur quelque chose de beaucoup plus stable. Allez, on va remettre des petits messages, s'il vous plaît. Allez. Petit message, s'il vous plaît. Ouais, je pense que c'est au niveau. Alors, peut-être que vous étiez aussi dans un milieu professionnel indépendant. Pour d'autres, on verra qu'il a été question. Il y a question de jugement tribunaux ici parce qu'on vous doit de l'argent. Vous voyez, ça rapporte aussi les poissons avec l'activité professionnelle, mais surtout aux finances. Ça me parle quand même. Alors, vous voyez, il y a le soleil, il y a, c'est marrant parce qu'il y a l'étoile et il y a le soleil. Donc, vous voyez, il y a le fait aussi de s'éloigner. Hein. Le bateau, c'est aussi prendre de la distance. C'est un voyage aussi, le bateau, mais ça vous indique aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de nouvelles qui peuvent arriver de loin, hein, peut-être par rapport à quelque chose de nouveau. On voit un voyage, mais le bateau, ça me parle aussi. Que justement va s'éloigner de toutes ces difficultés ici qui a été maléfique, hein, parce que vous voyez, c'est quand même le mal, c'est le pentacle avec des bougies, c'est comme si qu'on avait fait un travail sur vous. Alors peut-être que certains, voilà, on a travaillé sur vous, vous a peut-être fait un travail, j'aime pas parler trop de ça, mais bon, ça existe. Pour moi, ici, il y a une affaire qui va se rééquilibrer au niveau des finances par rapport à votre domaine professionnel. Donc effectivement, il y a un changement qui vous annonce bien sûr cette réussite. On va s'éloigner de ces difficultés, des vices. On voit, je pense qu'il y a eu manipulation, mais pour moi, il y a aussi ce vol d'argent. Il y a vraiment un changement dans le domaine professionnel. Hein, je veux dire, ici, c'est un choix qu'on a pris. On a pris cette décision peut-être de partir. Hein, peut-être que vous allez être aussi cette décision de prendre aussi, de vous éloigner de prendre de la distance par rapport à des situations, par rapport à des personnes. En tout cas, ici, cet éloignement, on peut vous parler que cet éloignement vous sera bénéfique, puisque nous avons ce soleil et le soleil qui nous annonce toujours une réussite dans le domaine concerné ou dans tous les domaines, bien sûr. Donc elle va annuler les cartes négatives, mais aussi elle évoque la réussite, la joie et le bonheur. Et puis, ben, cette carte d'étoile, ben, c'est simplement ses espérances, tout ce qu'on a voulu mettre en place et puis qu'on a peut-être tardé à le faire, mais c'est tout, c'est vos inspirations. C'est aussi, c'est le symbole de la paix et peut-être de nouveaux moments sereins et heureux. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, ça peut être lié aussi au monde du spectacle, de l'art. Peut-être aussi, ça peut se référer peut-être aussi, comme je le disais, par rapport à une situation, oui, d'art, peut-être le chant, le théâtre, aussi, voilà, si c'est votre cas, bien sûr. Hein. Bon, on vous annonce vraiment ce changement ici. Alors, il y a vraiment un changement ici, beaucoup plus stable. Alors, ça peut aussi nous parler aussi de transmuter dans autre chose hein, pour certains, parce que voilà, peut-être que vous êtes en train de changer de métier, parce que voilà, vous avez subi des choses difficiles dans votre domaine professionnel, si vous étiez dans comment l'art, le chant ou tous les professions artistiques. Et que vous voyez, il y a pas mal de cas qui vont se passer au tribunal parce qu'il y a peut-être une liquidation. C'est ce que j'avais ressenti au début du tirage. Ici, avec cette cigogne, on vous annonce un changement, un transfert. C'est peut-être aussi un nouveau travail. Enfin, en tout cas, elle vous annonce ce changement.
Hein. Donc, on va mettre des choses en action ici. Alors, cette période aussi, ça peut être un déménagement aussi, mais ça peut être aussi un transfert. En tout cas, ça peut être une direction toute nouvelle qu'on va prendre, hein, justement, parce qu'on ne veut plus jamais recommencer à subir ces difficultés qui étaient contre votre volonté, puisque, voilà, on vous parle que ça peut être aussi par rapport aux autorités, par rapport au gouvernement. Ici, ça va, du coup, tous vos espoirs, hein, on va bien sûr être beaucoup plus serein, beaucoup plus dans la paix et vraiment cette carte de soleil qui vous annonce cette réussite. Pour moi, c'est une réussite. Et puis, bien sûr, ce bâtiment, c'est touche tous les bâtiments administratifs, mais elle vous annonce aussi ici le stable, stabilité par rapport à votre vie. Alors, donc, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus stable sur du long terme. Hein. Voilà, je pense qu'on a changé peut-être de direction tout simplement. Elle peut nous annoncer, ce tirage peut nous annoncer un changement de direction. Voilà, donc vraiment, vous prenez ce qui vous parle, hein, puisque n'oubliez pas, c'est un tirage général. Alors par rapport aussi à cette situation qui a été délicate, hein, ça annonce aussi peut-être que c'est un ami hein, que vous connaissez bien dans votre domaine social ou professionnel. Hein, voilà, on voit qu'il y a quand même, vous avez été touché par le deuil d'une personne en tout cas qui était proche de vous. Hein. Voilà, vous voyez, il y a la foudre qui vous est tombée dessus. Voilà. C'est ce que on voyait ici aussi. Hein, c'est vraiment, ça évoque quand même le choc. Hein, voilà. C'est la foudre, destruction. Il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé. Le mauvais karma, en tout cas, la foudre hein, qui vous est tombée dessus, qui vous a. Ça me parle de destruction, moi. Voilà. Bon, vous voyez, on va vraiment se séparer ici. On voit qu'il y a des masques qui vont tomber. Hein, vous voyez, donc on va quand même apprendre des choses. Il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qu'on va apprendre. En tout cas, vous allez vous diriger sur quelque chose d'autre, en tout cas de beaucoup plus positif et beaucoup plus stable. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental avec les Amethyst Love aujourd'hui. Allez, des petits messages pour ce mardi 24. S'il vous plaît. Allez, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, peut-être vous libérer. J'ai tout le paquet qui allait tomber là. Heureusement que je les ai retenus. Allez, il y a un petit. Voyez, on vous parle de nouvel amour, que c'est certainement lui. Bon, allez, 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 allez. On va aller voir un petit peu aujourd'hui ce que nous disent les petits messages d'amour. Alors pour moi, il y a une libération. Je pense qu'il est temps pour vous de reprendre le contrôle de votre vie, de vous libérer par exemple du passé. Parce qu'on voit que ce passé, ben, en fait, vous pèse. Alors peut-être que vous n'avez pas fini non plus. Vous êtes encore dans les difficultés, que vous n'êtes pas encore libéré de cela. Pour d'autres, voilà, on voit que vous êtes libéré, mais qu'il va falloir vraiment reprendre le contrôle de votre vie et vous libérer de ce passé qui a été difficile. Donc on vous dit que très bientôt, voilà, sachez vraiment ce que vous voulez. Alors on parle quand même de quelqu'un qui peut arriver dans votre vie, hein, à partir du moment qu'on s'est libéré de ce passé, que vous allez reprendre le contrôle de votre vie au niveau sentimental, vous allez de nouveau attirer l'amour. Et ça me parle de nouvel amour ici. Hein, voilà, quelqu'un qui vient éveiller vos soupçons. On vous parle que c'est certainement lui votre amour véritable, l'amour de votre vie, et que vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, ou que vous allez bien sûr la rencontrer, parce qu'on ne sait jamais. Hein, voilà, je parle au présent, mais on peut parler aussi pour l'avenir, et que cette personne, vous pourrez ouvrir votre cœur et recevoir toute l'énergie, parce qu'on vous dit que c'est lui peut-être votre amour véritable. Alors c'est pas peut-être, parce que comme elles sont placées, pour moi, vous allez faire la rencontre d'un nouvel amour, et on vous dit que c'est vraiment l'amour de votre vie.
Alors, bien sûr, c'est vous libérer peut-être hein, de ce passé aussi. Hein, ce qui va... Alors, vous libérant de ce passé, c'est ce qui va aussi favoriser que vous allez être beaucoup plus attirant. Hein, puisqu'on voit qu'il y a se libérer de quelque chose qui vous pèse actuellement, de ce passé. Et que du coup, vous allez plutôt attirer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Alors, attirant ou attirante, hein, parce que des fois je parle au masculin, des fois je parle au féminin. Voilà, ça dépend. Voilà, on vous demande quand même de lâcher prise. Voilà, lâcher prise, c'est se dérouler jusqu'à son terme. Hein. Je pense que voilà, c'est une question. Alors, peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait libre, hein, parce qu'on me parle peut-être de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On voit que vous allez vous en libérer, parce que c'est en vous libérant de ce passé. Et que du coup vous allez reprendre le contrôle de votre vie, que vous allez devoir, du coup vous allez être beaucoup plus attirant parce que vous allez être plus disponible aussi dans votre tête, dans votre mental, aussi dans votre corps, hein, puisque du coup vous allez pouvoir attirer ce nouvel amour, voilà, que vous allez pouvoir aimer sans crainte, c'est un amour véritable. Voilà, simplement il est temps peut-être de lâcher prise et de peut-être de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, si c'est pas le cas, bien sûr, que vous n'en êtes pas encore libéré. Voilà les amis, c'était le petit message pour aujourd'hui. Allez, on va aller voir un petit peu. En tout cas, on voit que vous allez quand même transformer les choses positives. Hein. Voilà, vous savez qu'il y a des situations qui ne peuvent plus continuer et que vous allez vraiment vous sentir avec des moments de courage quotidien pour pouvoir justement les transmuter. Allez, les petits messages pour nos amis avec les archanges des anges. Allez, s'il vous plaît, petit message des archanges des anges. Alors, vous voyez, on a encore ce message qui vient régulièrement d'ailleurs, hein, parce que je crois que je l'avais sorti hier aussi. On a besoin de raviver son énergie, on a besoin de respirer, on est en train d'étouffer, vous voyez. Il est temps de reprendre aussi votre pouvoir avec l'archange Raziel. Et puis l'archange Raziel nous dit que voilà, il va falloir vous servir de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Ben, voilà, c'est tout à fait ça. Hein. Allez, les petits messages de la mission de vie pour ce mardi 24, s'il vous plaît. Petit message pour ce lundi 24. Alors, je vais couper parce que peut-être qu'elles vont peut-être tomber. Allez, des petits messages pour nos amis pour ce mardi 24. Alors, nouvelle source d'inspiration peut-être pour certaines personnes qui veulent changer de voie au niveau professionnel. Allez. Et puis, on vous dit que l'heure, peut-être, l'heure est de faire ce choix, bien sûr, véritablement. Allez, je vais vous lire les petits messages. Hein. Donc, tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer aussi peut-être à vos côtés. Hein. Et puis, l'heure peut-être est aussi de faire un choix. Donc, l'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant, d'un pas assuré. Et puis, on vous dit, aie foi en toi. Hein, tu es créateur ou créatrice, tu es puissant, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Voilà. Faites de transmuter des moments négatifs en moments, bien sûr, de courage et pour retrouver, bien sûr, le chemin qui sera le plus positif pour vous. Voilà, mes amis. Donc, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à faire vos petits retours. Hein, ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous envoie plein d'ondes positives, bien sûr. Et surtout, prenez soin de vous. Et je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à demain. Bye bye.